Vous là, hein? Bienvenue aux auditions de Rock'n'Roll 2! Yeah! Ici, les calottes à palette droite avec des stickers encore dessus sont interdites! Oh non! On en voit. Être un peu courbé. Right. Ça a failli se finir assez vite pour toi ici. Fait que, habituellement, dans les shows de télé-réalité, les participants arrivent, puis là, ils doivent passer devant les juges, puis là, parler de leur passé, tu sais, parler des drames familiaux, comme genre... j'ai été battu par ma mère, des affaires dans même, tu sais. En fait, d'être touchant, tu sais, pour toucher le spectateur à la maison. Mais ici, là, on n'en veut pas de touchant, parce que le touchant, c'est pas rock! Fait que, non, ici, c'est assez simple, les auditions. Vous avez une toune à faire en bande. Et c'est moi qui décide des bandes. Fait que, ici, pour passer, pour embarquer dans l'autobus du rock, il faut que vous soyez à l'aise avec votre instrument, faut que vous soyez bon, mais aussi que vous soyez capable de jouer en bande. Parce que c'est ça que les juges vont checker en haut. Fait que les quatre premiers, celui dont un 10 degrés l'a sauvé, viens-t'en, man. Toi, aussi. Vous avez comme déjà une petite chimie, c'est comme les trois ensemble. Ah ouais, viens-t'en. Puis, toi en arrière, semble un peu méchant. Viens-t'en. Fait que vous êtes notre premier band de la première audition de Rock'n'Roll! Yeah! Woo! Débarrassé. Vous regardez la première saison? Ouais, comme ça, ouais. Ben, aimez ça. Ouais. Ça, je suis ça dans le fond. Étiez-vous là en vous disant, moi, je serais meilleur? Ben oui, c'est clair, on étancherait tout. Voyons donc, c'est cette gang-là. Ça fait deux jours, j'essaie de retenir ce texte-là, mon homme. Eh boy, j'avais jamais entendu ça tonner avant. On a pas tous, c'est le temps d'enfance, c'est le plus tôt, la délinquance. Elle n'a jamais trouvé de raison pour expliquer pourquoi que dans une foule est toujours isolée. La voix, elle rentrait bien toute. Okay. C'est sûr, c'est le texte, mais ça a bien été le dernier coup quand même. Là, c'est un petit détail. Là. T'avais une belle chorégraphie de couvre-chef, semble-t-il. Oui, exactement. C'était tout prévu. Ça fait des années que je travaille pour ça. Je vais donner mon 110%. C'était une bonne game. Je pense bien qu'on va s'en voir en février. Je suis bien confiant. Fait que, allez-y, on a votre numéro, là. Ça va bien, on est rendu à la sélection du deuxième band pour l'audition. Ah ouais, viens-t'en. Yes, sir. Toi? Yes, sir. Les deux autres au bout? Venez-vous-en. Plus de power, les gars, come on! Yeah, man! C'est ça, les boys? Yeah, high pitch, yeah, on aime ça. Qu'est-ce que tu viens chercher dans Rock'n'Roll? C'est un challenge, un défi personnel. Là. J'ai une espèce de petite vendetta personnelle, parce que mon frère a fait le duel l'année passée, puis il n'a pas été pris. C'est vrai? Ah ouais, fait que là, je viens venger l'honneur de la famille. Oh yeah! C'est quoi ce nightclub drummer? Ben ça, c'est mon projet solo. J'ai parti en dehors de mon groupe punk rock pour essayer de faire un peu d'argent en tant que musicien. J'ai parti ça, j'accompagne des DJ en freestyle au drum d'un nightclub. Sur du hip-hop, du house, du électro, techno, etc. Oh. Bon, j'ai remarqué vraiment. On perd pas de temps, genre, puis on... On prend ça, puis essaye ton autre version, on peut. Chaffaire l'aimait plus, parce que son père l'aimait trop, fait qu'il est tombé dans la rue.
J'ai eu un petit plan de parole incroyable, puis ouais. Regarde ça arrive. L'encadrement avait pas été sage comme une image. Comment ça, tu penses que t'as écouté trop de Bon Jovi hier, quoi? Non, ben pour vrai, regarde, je m'en fous, je suis pas là pour me défendre de que dalle. Quoi, il a fait 25-30 secondes, puis on a pu voir toutes les tombeaux qu'il était capable de faire. Il avait vraiment une bonne voix pour le rock, moi, je fais le poil de chest, qui sait. Alors, je vais trouver une façon pour oublier. Car le monde autour des fois pour me rappeler. Toi, penses-tu que t'as vengé ton frère? Gars, je sais pas, je pense que oui. Je pense juste le fait que je parle en ce moment, je pense que ça le venge un peu. Ah, il est pas content. Il fait son montage.